Bonjour, je m'appelle Camille, je suis à ISEFAC en alternance en Master 1 Marketing. Je travaille chez MacArthur Glen. Je suis assistante retail manager, donc c'est un poste à consonance anglo-saxonne qui n'a pas forcément d'équivalent en France. Le retail manager aujourd'hui, c'est celui qui vient booster les points de vente, puisque le retail, c'est le point de vente. Donc il a plusieurs levées de performance, donc qui sont le staff, le stock, le store. Donc sur ces trois axes, on peut proposer du conseil en merchandising, faire de l'analyse, de l'aide au recrutement, à la formation, pour justement, au vu de cette analyse, booster leur activité et justement, nous, derrière, piloter et être vraiment support de tout ce qu'ils peuvent proposer. Le but est vraiment de fonctionner en équipe et de se dire aujourd'hui, ben, grâce à nous, vous avancez et réciproquement. Mes missions au sein du centre sont assez variées parce que je fais de l'aide au recrutement, je fais de l'aide au merchandising, je fais de l'analyse chiffrée. En gros, j'essaye de faire fructifier les boutiques, que ce soit par un moyen ou un autre. Je viens du milieu de la vente. J'ai voulu reprendre mes études. Donc mon rythme d'alternance, c'est le vendredi à l'école et le reste du temps à MacArthur Glen. L'ISEFAC alternance parce que de base, j'ai repris mes études en commençant par un bachelor. Le stage, je l'ai fait à MacArthur et ils ont pu me reprendre en alternance. Donc de ce fait-là, la continuité coulait de source. Donc pour la recherche d'alternance, moi, mon conseil, c'est plus de tabler aussi sur un stage qui peut vous permettre de déboucher sur une alternance parce que ça a été mon cas. Effectivement, la période de stage leur permet peut-être d'avoir une première approche pour concrétiser sur 2 années d'alternance. En tout cas, moi, je l'ai eu à l'issue du stage dating, donc ça a été vraiment porteur. Le deuxième conseil qui a été moins efficace pour moi, ça a été de faire fonctionner mon réseau parce que c'est assez compliqué en termes de prérogatives. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les attentes sur une alternance, quand on ne connaît pas forcément, c'est toujours un peu compliqué en termes de mission, de confier des choses vraiment intéressantes. Donc, il faut savoir se vendre et ce n'est pas toujours évident.